Du 14 au 27 octobre de l'année en cours, la RDC va accueillir la 21e édition du championnat d'Afrique des Nations de boxe. Et comme vous savez, chers amis sportifs, les athlètes, 25 athlètes, 13 hommes, 12 dames, se préparent d'arrache-pied ici au stade des Martyrs de la Pentecôte pour bien défendre la RDC. Et le directeur technique national Toussaint Lofalan nous fait la précision sur l'état de la préparation de l'équipe nationale de la RDC. Ils ont calmé, surtout les l'autre la Béatrice, gouvernement congolais, BBC, par moyen pour la financer la Fédération congolaise de boxe et Général Ilunga Luyoyo. Ensemble, la Fédération congolaise de boxe, nous avons joué sur la situation de Malam au niveau de Béatrice pour la banane morale, nous allons pour préparer la compétition, pour répondre à Malam. Pour la première fois. En tout cas, Toussengi, le président de la République, merci. Les chefs du gouvernement, la ministre des Sports, merci à Oyo Basadi pour la boxe pour la première fois que le champion d'Afrique est dans la boucle de la Bissot, Peba doit soigner la Bissot Malamou. En tout cas, te féliciter, Bango, te pense, Bango, merci, Zamba Pambola Bango. Mais quelles sont les ambitions de la RDC en participant à ces championnats d'Afrique? Le directeur technique national n'a pas caché ses impressions. Oui, les compétitions, mais c'est d'ailleurs un grand journaliste, tout le temps. Dans la compétition internationale, pourquoi pas RD dans la boxe, dans la boxe, dans la coutume, dans la salle qui est en Afrique du Sud, dans la salle qui est en Ghana, dans la salle qui est en Yaoundé, pourquoi pas dans la boxe, dans la qualité, dans la grand boxeur, dans la équipe nationale, dans la Pita KBJ, capitaine de l'équipe nationale, dans la Chama David, dans la Balo Matete, dans la grand boxeur, dans la grand boxeur, dans la Brissite, dans la Modestine, mais moi, Mouké, parce que Bangoune surtout va y avoir une médaille. Peut Bissot peut toujours une médaille, C'est vrai, au niveau de Bissot, le staff de l'Angamobimane, tu prépares l'équipe. Le comité exécutif de la fédération, ils ont pas tout ma première. Il invite les différents sportifs à venir soutenir cette équipe nationale de la RDC car la compétition se produit à la maison. Et là, nous allons avoir les impressions capitaine de l'équipe, Pita KBJ Peter. Bonsoir. Bonsoir, merci. Et comment se déroulent les entraînements ici? L'entraînement est résolu, Kanango, bien. Tout se prépare petit à petit. Déjà, c'est 100%, on a déjà à 95%. Et tout ce qui va me faire, pour tout le monde, tout ça déjà prêt. Vous savez, on a déjà pris l'ambassade. Je suis un Congolais, je suis un soutien, je suis La compétition est très gratuite. Je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis bien logé. La RDC va accueillir pour la première fois les championnats d'Afrique des nations de boxe amateur. Et là, chers amis sportifs, vous êtes en train de voir comment tout le monde est au four en moulin. Le comité que dirige le général-major Ferdinand Ilunga Luyoyo est au four en moulin pour que la fête du Noblard soit une réussite totale. Nous vous invitons tous, chers amis sportifs, à accompagner cette fédération.